in this hole. Somebody show me the ropes, babe. Salut les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour désolé. Nouvelle vidéo. Désolé. Une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo wishlist. Ouais. Et voilà. on commence par ouais, c'est parti. Donc on commence par Zara parce que petite femme, meilleure marque. Voilà. Moi chez Zara j'ai repéré beaucoup de choses comme d'habitude. Et je crois que je vais passer commande hein, parce que j'ai trouvé ce sac. Mais déjà je l'avais vu en magasin. C'est un sac bleu rembourré en denim avec une grosse chaîne. Et je trouve qu'il est trop beau, genre. Iris a dit qu'avec du jean ça passe pas, mais moi je trouve avec un beau jean, je trouve que ça passe trop. Et je crois que je vais vraiment claquer parce qu'il est à 19€ en fait. En ouverture, il est vert menthe, je le trouve magnifique. Donc je crois que je vais l'acheter hein, parce que franchement, il est trop beau. Ensuite, mais il coûte quand même 40€. Il coûte quand même 40€. Et il y a son pantalon qui va avec. Mais franchement. Ensemble, c'est vraiment beau. Voilà, si vous pouvez acheter l'ensemble, foncez. Mais il est souvent en rupture de stock, hein, l'ensemble. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Les mitaines. Iris n'aime pas les mitaines. Mais moi, je trouve ça trop beau. Non. En plus, vous pouvez appuyer sur votre téléphone. Non. Et en plus, vous avez les mains au chaud. Ça bon, pas vraiment au chaud, mais bon. En fait, des gants elles qui sont noires. Pas les doigts. Elles sont à 10€. Donc 9,95€. Mais je trouve ça beau. Ensuite. Un pantalon en cuir, donc il s'appelle leggings non tissé gravé serpent. Il est à 30€, 29,95€. Ouais. Et il est trop beau. Ouais. Je suis désolée. Hein. Surtout sur franchement bien taillé. Il est trop beau, il est magnifiquement taillé. Bien taillé, ouais. Et il est beau. Sauf que Iris dit que on a déjà trop de pantalons en cuir. On en a ce qui est vrai. Donc je pense pas qu'on va mais on n'a pas de cette forme en vrai. Mais oui, et pas en gravé serpent. Ouais, voilà. Donc voilà. Si vous avez pas beaucoup de pantalons en cuir, foncez. Hein. Parce que lui là... En plus c'est à la mode en ce moment. Ouais. Donc voilà, par contre c'est un leggings, hein, donc choisissez bien les tailles, mais il y a beaucoup de tailles. Ensuite, ce top là, je le trouve trop beau. Top en maille ajourée, il est à 20€ et je le trouve beau. Je le trouve trop beau. Et il est en noir et en brique orange. Il est trop beau, mais il est à 20€ quand même. Mais bon, je le trouve beau. Ensuite, ils ont sorti une collection de leggings et de vêtements pour la maison. Et je la trouve belle. Je la trouve trop belle. Ouais, genre, beau, dans l'air du temps, c'est à la mode et tout. Et en plus, c'est trop bien pour le confinement, pour rester à la maison. Mm-hmm. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette robe. Enfin, j'ai trouvé cette robe en façon asiatique. Je sais pas de quel pays forcément ça provient. Mais elle est à 29,99€. Avant, elle coûtait un peu plus cher, mais... Elle a été réduite. Oui. Donc voilà, je la trouve trop belle, mais le prix est un peu excessif, je trouve, parce qu'on peut trouver ce genre de robe sur Pretty Little Thing, Misguided et toutes les choses comme ça. Là, donc peut-être pas, je pense pas l'acheter, mais je la trouve trop belle quand même. Et ouais. C'est tout. Hein. Que, bah, moi pour Zara, déjà il y a une veste en jean. Mais en façon manteau, genre c'est en matière manteau. En fait, c'est mixé matière manteau et matière jean. C'est vert. En matière variée, il y a écrit. Ouais, matière variée, je sais pas. Et en fait, c'est magnifique. Franchement, porter, c'est trop beau. Cette veste, c'est obligatoire que je la porte. Là, je l'achète. Parce que franchement, c'est vraiment trop, trop beau. Et en plus, c'est bien pour l'hiver. En même temps, c'est... C'est matelassé. Voilà, c'est matelassé. En même temps, c'est jean et tout pour l'été. Donc, je pense que ça peut faire deux saisons en même temps. Mais elle est à 60€. Ouais, elle est à 60€. C'est une veste. Donc, achetez-la moi en cadeau. Et voilà. Donc ça, il y a cette veste. Ensuite, il y a un sac Kaba vert menthe, je crois. C'est comme un peu vert menthe. Et en fait, c'est comme c'est super gros et tout, mais la forme pour le porter, c'est rond au bras. Et c'est vraiment trop stylé en ce moment. Et c'est trop dans la tendance. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup trop avec des grands manteaux, des trench et tout. C'est vraiment magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais prendre les bottes. J'ai trouvé des bottes à Zara que j'ai essayé en boutique tellement je les ai regardées plusieurs fois. Par contre, je porte jamais de bottines. Mais celles-là, elles sont trop confortables à porter. Mais par contre, elles sont super hautes. Le talon, il est... Il est haut. Je pense que c'est même plus que 12 cm. Il y a une plateforme. Ouais.
Du coup, c'est ça qui permet que c'est super, super facile à porter. Et puis en plus, c'est en mode chaussette, bien resserré à la cheville. Voilà. Et bah, c'est tout pour Zara. Ensuite, moi, je suis partie. En tout cas, j'ai trouvé quelques articles sur le site IMJA. C'est un site que j'aime beaucoup. Donc, j'ai trouvé un pantalon à cuir. Parce qu'en ce moment, enfin, en ce moment, ça fait, ça, je crois que ça date depuis l'été, mais ils font une collection en orange dégradé à peu près. Moi, je sais pas comment on appelle ça, mais ils ont Mode fait feu, quoi. voilà, un peu feu comme ça. Mais bien. Et il est orange, il est dégradé, il est trop beau. Genre, c'est un pantalon en cuir, il coûte assez cher quand même, mais je l'aime. Genre, ce pantalon, je le trouve trop beau, donc je sais que je vais craquer, je vais l'acheter, mais il est trop beau. Ils ont fait toute une collection. Une robe, des tops et la veste qui va avec, mais moi c'est surtout le pantalon en cuir que j'aime. Voilà, donc je sais que je vais craquer. Et ensuite, ils ont fait un pantalon qui s'appelle Allo Pants, il est à 61 euros et il est beau aussi. Genre, c'est surtout à la... en fait, c'est parce que c'est un peu la mode en ce moment d'avoir des lassages autour du ventre et de la taille, et je trouve ça trop beau. Genre, mais Iris a dit que ça sert à rien, mais Bah moi j'aime oui, bien. parce qu'en plus le pantalon est noir. Oui, mais il est beau, c'est... il y a le lassage, ça apporte quelque chose. Oui. Ok. Bon, enfin, on n'est pas d'accord, mais moi je crois que je vais le prendre parce qu'il est trop beau et en plus il coûte pas trop cher pour un pantalon à 60 IMJA. euros. Ouais, mais quand même. Ça Donc va. voilà, c'est tout pour IMJA. Donc moi en ce moment je suis vraiment à fond sur Jacquemus. Je sais pas, on dirait que j'ai découvert cette marque hier, mais en tout cas Alors que pas du tout, hein, on fatigue tous c'est avec celle-là. ça. Mais voilà, du coup j'ai trouvé une robe beige super près du corps. En laine, je crois. Et il y a plein d'ouvertures au col. Beaucoup. Et franchement, c'est super, ça met trop en valeur le corps. Cette robe, elle est vraiment magnifique et magnifiquement pensée. Et je veux trop cette robe. C'est une robe Jacquemus, du coup. Par contre, elle coûte, je crois, 121 euros. Donc, Pour une c'est robe, pas. hein. Et puis il fait froid, hein. C'est pas donné, hein? Mais ça va, franchement, pour du luxe, ça va. Ensuite, encore dans cette marque, j'aime trop les bobs en ce moment. J'aime beaucoup, beaucoup trop les bobs. Et bah, j'ai trouvé un bob, Jacquemus, en matière moumoute. Donc, c'est pour l'hiver, donc c'est bien. Et voilà, donc Jacquemus vert kaki encore. Et bah, voilà. Et il coûte moins de 100 euros. 95 euros, je crois. C'est un bob. Donc, ça va. Franchement, ça va. Donc, voilà. Voilà. Je Moi vois aussi, trop j'ai ça. quelque chose à rajouter. Les sacs qui font, les chiquitos en grand, la version médium ou la version large, je sais pas exactement, mais il est trop beau dans ce sac. Et les dégradés, encore en ce moment, j'aime trop les dégradés. Ils font des chiquitos en dégradé bleu et en dégradé orange. Ils sont magnifiques. Si vous avez l'argent, foncez. Hein. Même s'il n'y a rien qui rentre dedans, mais on est d'accord sur ce point-là. Mais ils sont beaux quand même. Ouais. Foncez si vous avez l'argent. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ouais. Jacquemus. Ensuite, quelque chose que je pense que je vais craquer, enfin on va craquer parce que nous deux on aime ça, c'est les doudounes North oui Face. Mais en tout, toutes les couleurs sont magnifiques. ouais Toutes les franchement couleurs sont toutes les couleurs, magnifiques. mais il y en a quand même d'autres qui des couleurs qui se démarquent. Non, elle aime bien le bleu et la version militaire. Mais ouais, moi je trouve que et la veste en poids en poids, aussi. ouais, elle aime bien. Moi aussi j'aime bien, mais pour moi genre le rose pâle il est beau, le jaune aussi il est trop beau. Incroyable, cette doudoune est magnifique, genre. Mais je pense qu'on va quand même, si on l'achète, c'est la noire qu'on va acheter Oui, pour, parce que franchement, pour commencer c'est quand basique, même. quoi. Basique. Et Oui, toutes les couleurs sont belles. franchement, pour Et cette tout. doudoune, elle est, c'est, pour moi, c'est un indispensable. Donc je pense que je vais craquer incessamment sous peu. Hein. Franchement, c'est une doudoune, elle est trop belle. Bref. Mais après, il y en a du même style, mais moins cher sur Asos et Oui, toutes les oui. littérations. Donc si vous cherchez, vous pouvez tomber dessus aussi. Donc voilà, c'est tout pour notre Voilà. North Face. Après, on voulait. Alors là, en ce moment, on a kiffé le sac de Iris Orsoon. Ah En ouais. plus, vous avez vu Mais Iris même et leur tout. marque, Ouais, franchement, la l'univers, marque, elle il est est trop trop bien. beau. Ouais. Mais le sac, Les sacs. en fait, c'est comme C'est un tote un bag, en tote fait. bag, mais il est rond. Oui, mais c'est trop Il est trop original. C'est vraiment Ça original. change. Mais il est introuvable. Ouais, Donc voilà. si Franchement, vous. rupture de stock Donc partout. si y a quelqu'un qui sait où le trouver, Ouais, appelez-nous, dites-nous. hein. Parce Mais il est qu'on veut trop introuvable. ce Et sac. quoi qu'il en soit, toutes leurs marques, genre, je trouve que les tops et la qualité, genre, des matériaux utilisés, elle est au-dessus, clairement. Mais bon, ça coûte assez cher. Donc Ouais. peut-être dans le
plus tard et vers l'été surtout, parce que acheter ce genre de pièces maintenant, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ouais. Alors que pour l'été, genre les jupes qu'ils font en soie, les tops aussi, parce qu'ils font des ensembles et tout. Mm-hmm. Magnifique, vraiment. Donc voilà. Ok, donc aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la marque Sandro. J'aime vraiment beaucoup. En fait, j'aime presque toutes leurs baskets. Franchement, la marque Sandro, je sais pas, je suis en sang dessus. J'aime beaucoup trop. Et donc, ils ont fait une évolution de la basket que j'aimais trop. En basket haute. Et c'est la basket E19 Astro 1. Et cette basket, franchement, en bleu. Bleu, blanc, noir, vert, je crois qu'il y a quelques nuances de vert. Elle est magnifique. Franchement, cette basket, mais je la veux. Elle est trop, trop, trop belle. Donc du coup, bah voilà, leur basket sur Sandro, franchement, j'aime trop, 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 mais celle-là, je la veux trop. Et voilà. Voilà. Ensuite, on va parler de Adidas. Adidas, ils ont fait une collaboration. Normalement, tout le monde est au courant. Ils ont fait une collaboration avec Ivy Park, donc la marque de Beyoncé. Donc, ils ont sorti une collection. La collection, elle est ouf. Et toutes les pièces que je voulais, bien sûr, parce que j'ai oublié la date, mais le soir, je me suis dit, ah, mais c'était pas aujourd'hui à la sortie de la collection. Et bah, je suis partie et toutes les pièces que je voulais, ouais, elles étaient en rupture de stock. Donc j'ai décidé que je n'achète rien du tout. Donc, mais quand même, je vais vous présenter quand même ce qui a été. Enfin, je vais vous présenter, je pense que vous êtes déjà au courant. Mais les pièces que je préfère. Genre, je trouve que le short pas trop cher, genre il a 50€. Et je trouve trop beau, genre les coutures et tout, le bandeau sur le ventre et tout. Il est trop beau là-bas. La serre qui va avec, elle est extra. Ensuite, ils ont sorti des vestes en Orzanga. Orzanga, je sais pas comment on prend. Organza à 160€, c'est cher, mais je la trouve de tellement belle qualité. Et la couleur, elle est ouf, genre elle est trop belle. Et ils ont fait une autre veste aussi encore vert, la veste mèche, elle est à 180 et 95 centimes, pardon. Elle est verte et je la trouve ouf aussi. C'est pas gratuit, ouais. mais elle est en rupture de stock. Donc de toute façon, tant pis pour moi. Mais ils ont fait aussi une collection pour hommes. Ils ont sorti des robes et tout. Et franchement, c'est dingue. Voilà. Et après, ils ont fait un pantalon cargo sur vêtements. Le beige, il est ouf. Mais ouais. Il est à 100€ même. Mais la coupe, ouais. Elle est ouf. Genre. Et oui. Et en plus, elle est bien dans les photos. Elle est trop belle. Ouais. Voilà, donc de base, moi je voulais surtout les cyclistes et les brassières, mais c'est ce qui est parti en premier. Donc ouais. Voilà, pourquoi pas la vest si elle revient en stock, mais ça m'étonnerait. Voilà, je suis un peu déçue, mais bon, c'est ma faute, hein, j'aurais dû me réveiller plus tôt. Voilà, et pour Adidas, Iris, elle a craqué sur une paire, elle va pas me lâcher. Hein. Ah oui, c'est une Yeezy. Ouais, c'est une Yeezy. Les chaussures, et genre là, elle veut pas me lâcher, je sens qu'elle va craquer. Hein. C'est une Yeezy 700 V3. Elle est magnifique. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour la rater. C'est sorti depuis longtemps et maintenant, moi, je la vois maintenant. Elle est trop belle. Surtout dans le coloris bleu. C'est un nom bizarre. Hein, bleu, blanc. C'est bleu, bleu. Ouais, bleu, hein, bleu franchement. Blanc. Bleu. Ça, en fait, c'est un bleu un peu galaxie, vous voyez. Ouais. C'est belle, vraiment hein. Trop beau. Porté. C'est magnifique, franchement, ouais, c'est magnifique. Elle est vraiment trop belle, donc je la veux. Voilà. Je la veux. Et si on termine, c'est la fin là. Oui. Et si on doit terminer sur des chaussures, en ce moment, les New Balance. Ah oui. Les New Balance et une autre paire, mais d'abord on commence par les New Balance. Ouais. Il y a une paire de New Balance, j'ai oublié le nom, à chaque fois j'oublie le nom, mais cette New Balance en gris, je la veux, genre, je la veux, ah, je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Voilà. Donc c'est cette paire de New Balance et l'autre paire de New Balance c'est 327, je sais plus exactement. Oui, je crois. Mais avec de la gomme sous la paire et sur le talon, elle est magnifique, ouais, dans tous les coloris. De quelle on va, c'est sûr. On sait pas, on va acheter. On va finir par l'avoir. On l'aura pas maintenant peut-être, hein, mais on finira par l'avoir. Donc elle est magnifique dans tous les coloris, allez voir si ça vous intéresse. Mais New Balance, on n'a pas de paire de New Balance. Non. Si, on en avait une avant. En blanc gâté. On l'a vraiment gâté. Genre voilà. Donc je pense que une des deux, hein, mais je crois plus l'autre, la 327. Mm-hmm. Vraiment belle dans tous les coloris. Donc, et en plus, elle était fort à la mode à la rentrée. Donc, voilà. Elle est toujours, hein, franchement, elle est beaucoup portée en ce moment. Et pour terminer sur une dernière paire, la Jordan 4.
pour moi, hein. Iris n'aime pas, elle trouve que c'est trop massif. Mais moi, j'adore cette paire. Et puis, c'est noir. Ouais. Voilà, moi, je veux la noire ou la beige, même si je sais que la beige, je l'aurai jamais. Parce qu'elle coûte trop cher, les prix en revente. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est pas ça. Retail, non, mais c'est en revente, je crois. Ils sont ouf, les prix sont incroyables. Donc, la beige, je l'aurai jamais, je sais. Les prix sont incroyables, ils sont hors budget, ils sont. C'est pas possible. Mais la noire, peut-être. Même si elle reste aussi assez chère, mais la noire, elle est ouf, genre, vraiment. Mais toutes les Jordan 4, en ce moment, je trouve que cette silhouette, elle est magnifique, genre. Iris n'aime pas trop. Elle trouve que c'est trop... C'est trop massif. Ouais, c'est massif. Moi, j'aime bien. Donc, c'est tout pour nous, hein, pour cette wishlist. On veut beaucoup de choses. Ouais. On n'a pas l'argent. On n'aura pas tout, ouais, c'est sûr, on n'a pas l'argent. J'espère qu'on aura quand même des petits... Des trucs, ouais. En plus, c'est bientôt Noël et tout, les fêtes. Voilà. Donc, peut-être... Mais voilà, c'est tout pour nous. Oui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez, voilà. Et voilà. Et voilà. C'est tout. Salut. À la prochaine.